Le 28 mars, j'aurai le plaisir d'être à l'Espace des Vallées pour mon nouveau spectacle, Mental Circus. Ce sera à 20h30 et je vous donne rendez-vous parce que j'ai vraiment hâte de vous présenter ce spectacle. Ensemble, nous allons vivre plein de choses incroyables. Nous allons rentrer dans votre esprit et je vais vous montrer une chose. C'est qu'au fond de vous-même, il y a des choses inexploitées, des choses absolument incroyables qui vous permettent de réaliser des miracles. Vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Vous êtes exceptionnels. Alors pour le découvrir, venez voir ce spectacle et vous verrez, vous n'en reviendrez pas de ce que vous êtes capable de faire. Hello tout le monde! Est-ce que vous savez que je viens chez vous à Thône le 17 avril 2020? Je vais jouer Tati Jambon à 20h30 à l'espace Cœur des Vallées. Je viens jouer un spectacle qui s'appelle Tati Jambon. C'est moi, c'est un concert bavard, mais pas que, avec de l'interactivité. On improvise, ça va chauffer et vous allez passer une soirée merveilleuse. C'est pour les petits, mais c'est aussi pour les grands. Mouah. Je vous ai vu sauter dans la foule, je vous ai vu faire lever des mains et pour enfin en découdre, lancer la révolte en fermant le poing. Je vous ai vu chanter comme on aime, je vous ai vu danser comme on mène, trembler en sortant de scène. Vous aviez sueur en commun et dans vos poches de forains, les mots qui font crier les foules et les notes qui défoulent. Pourtant je troquerai pas mon français qui sent la vinasse à plein nez, le bistrot du coin, la musette, les champs de lavande et la violette. Attention, c'est le yoga du rire. Alors attention, on fait comme Tati, tout le monde, on s'étire vers le ciel. J'espère qu'on a mis du sang bon sous les bras. Voilà. On fait des guili-guili à son voisin. On s'étire encore une fois et on fait ah. Ouvre les Et Tati? Oui, mon chéri. Comment tu fais pour être toujours heureuse? Ah non, mais quel faillot. Il était une fois un colporteur nommé Aram. Il transportait de l'encens et des épices entre deux cités perdues au centre d'un désert immense. Oh,
18 grèves de poubelle que je traîne dans le quartier. Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana, quand des piottes dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cachous, bonbons, machine à sous, mais elle pas du tout. Une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Moi j'ai commencé à porter des talons assez tard, vers l'âge de 7-8 ans. T'as pleuré toute la journée, maman a pas eu le temps de prendre sa douche. C'est pas grave, de toute façon, je rentre plus dans mes frayeurs. Anna ! Je vous présente Sandrine, qui nous vient de Toulon. Tu vois la Côte d'Azur, les beaux bateaux, les milliardaires ? Juste avant. Elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, elle écrit elle-même ses textes. Salope, 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 salope. Pip, 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 pip. Du tout, du tout, je comprends pas, tout le monde me dit que je ressemble à Dalida. Hein Sandrine, les peshmerga, c'est pas un dessert. Tu dis Sandrine, le shit tu le fumes, le sunnite c'est lui qui te fume. T'es indien, t'es pas pauvre, c'est comme si je te disais t'es provincial et t'es pas plouc. Mes amis, gardez les messages. Gardez les messages, je vous débarrasse simplement des enveloppes. Parce que voyez-vous, je ne veux pas que vous repartiez chez vous avec cette sensation désagréable d'avoir perdu 500 euros. Alors j'aimerais vous offrir quelque chose de beaucoup plus précieux. J'aimerais vous offrir un mystère. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis le début, depuis le choix de votre enveloppe jusqu'au choix de votre chaise, toutes vos décisions ont été le fruit d'une influence. Vous allez vous lever, s'il vous plaît, et vous mettre debout derrière vos chaises, en montrant bien à tout le monde les messages que vous avez reçus. Montrez-les, comme ça, parce que vous l'avez vu, les messages sont identiques, mais néanmoins, il y a des nuances de couleurs, du rouge, du vert, du bleu et du jaune. Du rouge ici pour la chaise rouge, Catherine, tenez la chaise ici, du vert pour la chaise verte, du bleu pour la chaise bleue, et du jaune pour la chaise jaune, comme s'il ne pouvait en être autrement. Depuis la nuit des temps, avant de s'endormir, les hommes racontent à leurs enfants des histoires de renards ou de loups. Thank you.
il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. C'est sur un gros rocher, à 10 minutes de marche de mon village, qu'un jour d'hiver, elle s'est approchée pour la première fois. J'y retournais dès que je pouvais. C'était mon secret. Et pour quelques mois, je suis devenue l'amie d'une petite renarde. Enfin, je le croyais. Car souvent, elle n'était pas là. Je l'ai appelée Zora. Je vais vous raconter son histoire. Il était une fois une famille de renards qui vivait dans la montagne.